Alors que la France s'est qualifiée par miracle pour la finale de Ligue des Nations après avoir battu la Belgique, un des joueurs de l'équipe va manquer à l'appel, le milieu des Bleus, Adrien Rabiot. Il a testé positif au Covid-19, a été placé à l'isolement comme l'exige le protocole sanitaire et ne pourra pas disputer la finale contre l'Espagne, a annoncé la Fédération française. Le joueur de la Juventus Turin ne ralliera pas Milan avec ses coéquipiers et ne pourra pas être remplacé pour cette finale par le sélectionneur Didier Deschamps, déjà privé de Lucas Digne sur blessure. Adrien Rabiot, âgé de 26 ans, a été testé comme l'ensemble de ses coéquipiers vendredi 8 octobre 2021, pour des résultats obtenus samedi matin avant le départ pour la Lombardie, a précisé la FFF. Tous les autres tests se sont heureusement révélés négatifs. On retrouvera donc, en toute logique, Kylian Mbappé, dont la maman est revenue sur son embrouille avec Véronique Rabiot, Karim Benzema ou encore Antoine Griezmann. Adrien Rabiot, qui a disputé la demi-finale contre la Belgique, 3-2, jeudi, avait participé à la séance de lendemain de match vendredi à Turin, où les titulaires se sont contentés d'exercices individuels, vélo stationnaire, étirement avec un kiné. Comme le précise le règlement de l'UEFA, si un groupe de joueurs d'une équipe est placé en quarantaine obligatoire ou à l'isolement. Le match se jouera comme prévu si l'équipe dispose d'au moins 13 joueurs, y compris au moins un gardien, disponibles.